Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la fête du cinéma. Donc, on va aller à Pardave. Et on va aller à UGC. J'ai tout ça comme film à aller voir, d'accord. Donc là, il est 9h41. C'est parti. À quel moment ça arrive tellement tôt au ciné qu'il est même pas ouvert? Mais par contre, il y a tous les écrans allumés pour les films. À quel moment ça arrive aussitôt et genre c'est fermé? Le film était incroyable, voilà tout ce que j'ai à dire. Les Pixar, tout le monde se largue sur les nouveaux, mais en vrai, moi je kiffe. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Et là, il est 12h35. Le film commence à 13h. J'ai 25 minutes et mes parents ils vont arriver, ils vont me donner à bouffer et je vais aller voir Indiana Jones avec eux. Voilà. Tchuss ! Faut arrêter de rager, d'accord ? Hein ? Là, Indiana Jones. Non, je pas 33. Je te dis simplement. Allez, on va voir Indiana Jones. Voilà. Comment ça va? Bon, on a fini notre deuxième film, Indiana Jones. Là, on va aller voir 38-5 Quai des Orfèvres. Voilà. Il va bientôt commencer à 16h20. Bon, par contre, Indiana Jones, incroyable. Ça parle toujours de nazis, donc moi ça fait toujours plaisir. Alors, je n'aime pas les nazis, hein. J'aime juste l'histoire en général. Donc voilà, tchuss! Je viens de finir 38-5 Quai d'Orfèvre. Ok, commentaire, il était super mou. Voilà. Bon, on a fini le film, il est 18h comme l'autre, il finira à 21h. Bon, on va aller chez McDo. On a récupéré le Big Mac. Maintenant, on retourne au ciné, j'ai envie de vous dire. Et on en parle, là je viens de finir à manger. On en parle que c'est la première fois de ma vie que j'attends et que j'achète autant de places de ciné. Genre. Ok, je viens de finir Transformers, il était incroyable. Je lui mets un 9,9 sur 10, sa mère. Je mets pas le 0,1 parce qu'ils ont tué Bumblebee, d'accord. Et que je spoil, mais il revit à la fin. Mais la vie incroyable, ce movie. Genre, dernier pour la soirée, il était incroyable. On se retrouve demain pour on va regarder Flash. Hey, comment ça va? On est arrivé au ciné. Deuxième jour de la fête du cinéma. Ce matin, on va regarder là tout de suite à 11h, parce qu'il est 10h30. On va regarder Flash. Et ce soir, à 20h, on va regarder Fast Furious 10. Donc on se retrouve dans la salle. Prendre un billet pour Fast and Furious à 20h. Le riz il est à 160. D'accord, merci. Hop, merci, au revoir. C'est bon, j'ai mon ticket pour ce soir. Voilà. Et je tiens à poser, c'est un record. J'ai toujours pas pris de popcorn. Voilà. Ça va être mon cinquième film, j'ai toujours pas pris de popcorn. Hey. Donc je viens de finir Flash. En vrai, il était bien. Le film commence à 20h10 et on va aller voir Fast and Furious 10. J'y vais avec ma maman et on va aller voir Fast and Furious 10. Il y a un peu beaucoup de tickets, non? Trop de tickets. Trop de tickets? Tue les tickets, vraiment? Trop de tickets. C'est bon celui d'aujourd'hui.
3, mais enfin quand même. Ah, c'est bon. Je viens de finir Fast and Furious 10. Rien à dire, incroyable. Le nom fait. Ce film fait hommage à tous les Fast and Furious, c'est tout ce que j'ai à dire. Incroyable, beaucoup de cascades. L'acteur de Aquaman, j'ai oublié son blaze, mais incroyable, vraiment. Les décors, incroyable, je n'ai pas d'autres mots. Les tenues me font beaucoup rire. L'humour est incroyable, là il est bien dosé. Et genre, ce film, c'est un 10 sur 10. Bon, le truc qui me fait chier, c'est qu'on n'a pas la fin, vu que je pense qu'ils le mettent en deux parties. Donc, on a le début du film, mais on n'a pas la fin. Donc, on ne sait pas si tout le monde meurt, ou si tout le monde est en vie. Voilà, parce qu'il y en a une, elle est en Sibérie, et les deux autres. Bah ils sont bloqués sur un barrage. Voilà. On sait pas. On n'aura pas la fin, mais on sait qu'il y en a soit qui sont morts, soit qui sont pas morts. Bon. C'est une 22e journée du cinéma. Voilà. On a vu Flash et Fast and Furious 10 aujourd'hui. Demain, on se retrouve au même endroit pour regarder 3 autres films. Salut, à demain. On est de retour. Mon film, il commence à 10h55, il est 10h48 et on va commencer par Mario Bros. On se retrouve après la séance. Comme on se retrouve, je viens de finir... Oh putain, ça résonne. Attends, faut que j'aille où ? Je viens de finir Mario Bros. Oh, il m'a fait trop rire. Hilarant, j'ai juré, j'ai pas arrêté de rigoler tout le film. En termes d'animation, ils sont incroyables. Là, il est midi 43. Mon prochain film, il est à 13h50. Donc, j'ai le temps d'aller manger. Et on va aller voir les Vengeances du Maître Poutou Poutifar. Voilà. Donc, je vais manger et on se retrouve après. Tchuss. Bon. Ce midi, c'est des sushis, voilà, et j'ai acheté ça, j'ai jamais goûté, et j'ai oublié de dire, mon premier film, il a bien commencé, on a commencé la séance, il n'y avait pas de son dans la salle, on était au troisième étage, j'ai dû descendre au rez-de-chaussée, aller demander qu'ils remettent le son dans la salle, parce qu'il n'y en avait pas, ça me fait beaucoup rire aussi. C'est parti. On va les voir, les Vengeances du Maître Poutifar. J'espère que celle-là, elle sera mieux que 38-5-14. Voilà. Je viens de finir les Vengeances du Maître Poutifar et ce film est hilarant, sans déconner. Et la fin, elle est adorable. Vraiment une bonne leçon de morale. Donc là, il est 15h30. Mon prochain film est à 17h30. Donc j'ai le temps d'attendre. Donc on se retrouve 17h30 et à tout à l'heure. On va voir le challenger. Enfin le challenge. C'est parti, on va regarder le challenge. J'ai pris des popcorn pour le dernier film de la journée. Donc c'est parti. Je viens de finir. Oula, il y a du soleil. Je viens de finir le challenge à mourir de rire. Sans déconner, je me suis tapé une barre tout le long du film. Jennifer Lawrence, elle est incroyable dans ce rôle. Bon, c'est la fin pour ce troisième jour de la fête du cinéma. On se retrouve demain pour un dernier film. Et moi, je vous dis à demain. Hey, comment on se retrouve ? On se retrouve pour ce quatrième et dernier jour de la fête du cinéma. On a un seul film à aller voir aujourd'hui. Et c'est Miraculous Ladybug. En vrai j'y vais parce que ce film il m'intrigue. Voilà. Donc là il va falloir que je me dépêche parce que il est 13h03, il commence à 13h05 le film. On se retrouve dans la salle.
comment ça va? On n'est plus au cinéma. Je suis rentrée chez moi parce que j'ai pas pu faire le débrief de Miraculous et Chat Noir, le film. Mais en tout cas, même pour la blague d'aller voir ce film, il est très bien. Voilà, j'ai bien aimé. Marinette et Adrien, ils finissent enfin par comprendre que l'un et l'autre ils s'aiment parce que l'un et l'autre c'est Chat Noir et Ladybug. Donc enfin, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et vous abonner. Ça m'arrangerait beaucoup. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais moi je vous dis ciao ciao.